Lycée Tournato Studio, Télévision Nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince, bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi 8 mars là, qui c'est particulièrement journée internationale droits femmes. Nous partageons une pensée spéciale à toutes les femmes, pas bon ici. Et déjà, nous souhaitons nous passer une très bonne journée sur Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité, dans l'idée pour capable renforcer la production d'Irina Vallée-Latibonite là, coordonnateur caravane changement, ancien ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural Thomas Jacques, qui était accolé directeur général du ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural Brali Eugène, lancé mardi 6 mars passé à Combitan dans la localité Kova, deuxième section communale Verretta. Programme ça rentré dans le cadre caravane changement. Bureau Chambre député a honoré plusieurs femmes avec sélection féminine football à moins 120 ans dans l'occasion journée internationale à droit femme qui a célébré jeudi 8 mars. Chambre député a promet 1,5 million de gourdes pour sélection avec un téléphone intelligent pour chaque mesdames. Direction générale de la police nationale d'Haïti a un délai 15 jours pour tout policier qui démissionne, qui n'est pas actif à tout cela, qui abandonne les postes pour venir remettre en examen la police qui n'a même pas. D'après porte-parole la PNH, la France Lebeau, après date sa direction générale de la police nationale d'Haïti a publié non concerné et puis après l'autre mise contre eux. Et puis à l'étranger, Canada et Mexique capable pas tomber en bas mesi Donald Trump pour mettre gros taxes sur acier et aluminium cap entrer dans pays États-Unis, c'est sa administration plan fait comprendre hier mercredi. C'est grand point ça ou quelque l'autre n'a pour capable développer pour dans journal aujourd'hui à là rester branché n'a petit coup de pause pas déplacer n'a tourner tout à l'heure. Merci pour fidélité ou attention à journal ça. Nous retournons pour développement et formation. Et j'en ai dit un grand titre, coordonnateur caravane changement, ancien ministre Thomas Jacques, qui était ensemble avec le directeur général du ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, Brali Eugène, lancé mardi 6 mars passé à un combattant dans la localité Kova, qui est la deuxième section communale Verrette. Programme ça rentré dans le cadre caravane changement visé renforcer production d'iri dans vallée la Tibonite. Dans occasion agriculteur et planteur dans vallée a exprimé contentement pour projet cela. On nous suivi un reportage avec Richardson Jourdan et puis André Chéri. Yo té plusieurs agriculteurs planteur ak pèl bourette piqua qui regroupé yo en dans 12 blocs production et puis qui associé yon en coopérative qui participait dans Combitsa. À travers Combitsa, à part gros canal yo responsable compte nettoyer, planter ak agriculteur a bien pour faire canal secondaire ak tertiaire yo, ça qui va aider augmenter production d'iri dans vallée a. Agriculteur yo yo joine appui l'état et appui ça permettre que un yo utiliser les équipements, deux en pile moun met ensemble yo travail pour permettre que capable faire production. Donc bloc de production ça son bloc de production de 500 hectares de terre et qui va permettre que eh bien à partir de mois de mars avril là et mais toute zone ça pour le planter en durie et c'est organiser c'est ça caravane a fait organiser planteur en coopérative et puis l'état porter appui parle pour capable augmenter production. Pour augmenter production faut maîtriser les moyens de production, les facteurs de production. Nous, au niveau en bloc, il y a un bar qui est important comme être fondamental, surtout dans la question du riz, c'est la gestion de l'eau. Ou pas qu'à produire du riz, sans pas gagner de l'eau. Donc, mais de l'eau à tout, les cas diminuer et même annuler rendement. Ça veut dire, facteur de l'eau est important, mais il faut maîtriser. L'eau maîtrisée, fuck, canal ou irrigation en condition de fonctionnement, faire de retour en condition
de fonctionnement. Si vraiment nous pas gagner assez d'eau qui rentre, nous pas gérer situation ça, ou capable gagner semences engrais mais production pas très faible. Je dis à nous réunir c'est notre optique ça parce que même là nous-mêmes nous capable faire grand travail pour nous capable nettoyer canal primaire yo, mais là nous gagner secondaire avec tertiaire si nous pas nettoyer yo, nous-mêmes n'a toujours gagner limitation pour de l'eau arriver jeune cultivateur. C'est un bail que me tapé évaluer comment ça t'est fait dans le passé. Et finalement on dit que même organisation tant coupam qu'on réunit tout moun yo, yo fait un combat et puis moun yo nettoyer et puis yo fait manger bah ça pour tout moun yo vini pour yo même yo prend responsabilité pour que yo aider dans secondaire avec tertiaire. Et ben c'est initiative ça qui te prend matin dans combat que n'a fait là pour que nous te vini avec un bloc de production parce que nous gain un nombre de 12. Mais ça il montre nous vraiment que si nous réunis moun yo des coopératives pour nous capable montrer esprit de travail ensemble et puis l'état pour accompagnement n'a pas arrivé abouti à résultat que nous anticipons pour nous capable non seulement dans les premières années mais vraiment dans 4 ans qui étaient nous là avancer n'a avancer c'est première journée en ça puis n'a continuer marcher puis devant objectif pour comme si m'tadou productivité paysan ka augmenter par exemple si drain en coulé tu as séché après soit toute vie d'eau donc du n'a sorti en forme. 500 hectares, c'est quantité de terre responsable yo visé dans quatre batailles à faire pour augmenter production d'iri dans Valia avant fin mandat président République là Jovenel Moïse. Même combien ça pour aller réaliser dans l'autre département en dans pays selon responsable yo. Ministre Affaires étrangères à Ketla Antonio Rodriguez porte éclaircissement sur situation haïtien qui allait dans pays Chili à vivre dans aéroport chilien. D'après ministre, moun qui trouvé en difficulté yo, c'est une série moun qui pas rempli toutes conditions légales yo pour capable rentrer sur territoire chilien. Moun sa yo pas gagné aucun parent ni ami pour aller chercher yo pas faire aucune réservation dans l'hôtel là d'après ça ministre fait connait. Devant situation ça toujours d'après ministre, ambassade haïtienne dans Chili était fait intervention li pour capable calmer situation. En nous souvient extrait dans déclaration dans micro Anne Marguerite Augustin avec Hervé Pierre. Aussitôt informé de ce problème ça, notre chargé d'affaires au Chili était tout de suite rendu à l'aéroport. J'ai l'impression qu'on voulait parler de haïtiens qui bloqué dans l'aéroport Chili. Lui-même avec une équipe de l'ambassade, nous était rendu à l'aéroport pour cette situation. Le problème qui posait c'est que en pile mon apathie, mais yo, parce que yo dit Chili ou pas besoin de visa pour rentrer là-dedans, là, c'est pas besoin de visa, yo pensez c'est HCBR aller. Mais même là, pas besoin de visa, l'arrivé dans le pays, officier immigration gagne pour certain que ou répondre à critères pour rentrer dans le pays. Donc c'est ainsi que gagne bagage au mandé, faut gagne billet aller-retour, faut gagne l'argent de poche parce que pas oublier haïtien leur pour aller dire pour aller en touriste. C'est pas gagne une qui dit à la valeur vérité, il dit pour aller en touriste. Donc faut gagne billet aller-retour, faut gagne code pour aller si c'est un hôtel pour aller, si c'est 40 monde pour aller, si son monde qui veut inviter, faut gagne une lettre d'invitation et ça passé c'est dans semaine là grand pile monde qui dit gros monde qui veut inviter leur les caï monde là soit pas joindre monde il pas joindre personne ou soit monde dit pas contre monde ça à ce moment là donc il pas qu'à accepter gain ça qui dit yo venir pour aller étudier leur mandé pour cap bail et l'aide d'admission dans l'université yo pas gain donc ça vient poser un problème nous penser que yo après entrer priorité donc mais comme jour ambassade là tu tout de suite prend et question en main li rendre chargé d'affaires avec l'équipe d'ambassade là te rendre li dans aéroport li parler avec officier immigration avec toute autorité yo. C'est à ce moment là qu'on a un problème là donc mon là-bas m'a toujours les jodi yo tourner m'pa konn si yo rivé déjà mais yo laissé Santiago déjà que yo retourner yo gen problème et ambassade là te intervenu auprès de l'île aérienne pour être capable de manger parce que tu as complaint que tu n'as pas besoin de manger ou pas de manger.
ça qui a besoin, c'est de besoin, ils ont été satisfaits, mais vous comprenez, dans la situation où en dans l'aéroport, ou pas qu'il y a tout ça le besoin. Parce que pas oublier, l'heure pas qu'il y rentré, c'est dire ou pas dans la zone côté, les gens qui viennent ou viennent pas laver. Parce que dans la zone internationale, avant de passer l'immigration. Donc là, il est très difficile et ce n'est pas tout le monde qui est rentré. Il y a même un mouvement qui est fait côté des Haïtiens, tu as laissé venir pour aller déo, pour bailler manger, mais malheureusement, comme je dis que y a une zone qui dehors immigration, de l'autre côté de l'immigration, il n'y a pas qu'à permettre d'entrer. Donc, ambassade là, sous question, n'a pas suivre. Qu'on y a un message, m'a profité pour me lancer à tout le monde qui pourrait aller au Chili. C'est demander que faut gagner tout papier, tout ça au besoin en forme. Mon avini passeport des fois gagne gratuit la donne, c'est ça yo dit nous. Des fois yo rivé, yo pa gen tout ça au besoin, yo gen ça qu'on vient avec l'aide de travail. Là regarder l'aide de travail ou pas valable, il pas bon, c'est faux. C'est des faux que yo y. Donc tout ça vient faire que yo pas permettre de rentrer. Nous prenons dans le Palma haïtien qu'on y a là, puisque nous te dit dans le grand titre. Bureau chambre député, ensemble avec membre commission femme et équité genre, organisé à Yemek au 17 mars, une cérémonie pour capable honorer plusieurs femmes dans l'occasion 8 mars là, qui marque 41e anniversaire journée internationale droit femmes. Dans l'occasion, bureau avec membre commission honoré sélection féminine football moins 120 ans, chambre députée a promettre 1,5 mois avec un smartphone pour chaque joueur. Président chambre députée Gary Baudot a encouragé mesdames pour capable continuer travailler pour arriver jeune place dans la société haïtienne. En nous souvient extrait dans la déclaration de Namiko Fedler confident avec Danius Théodore. Comme député à Anessa, tu voulais organiser une journée de réflexion ça dans le national droit femme pour nous poser problématique droit monde en général. Donc il était important pour nous tous pour honorer des monde nous penser qui c'est des travailleurs de la presse qui toujours accompagné nous dans le parlement, peut-être bon liste qui était exhaustive, mais la commission a choisi deux monde pour les honorer. Donc nous féliciter pour marque de distinction ça que rejoignent au niveau parlement. Mais nous-mêmes tout, bon côté par nous, au niveau du Parlement, nous voulons pour nous travailler avec la Fédération pour nous garder différentes catégories. Ce n'est pas seulement le timon rentrer avec une qualification ou bien un athlète rentrer avec une prime ou bien un monde Miss Dauphine ou bien première Dauphine Miss Universe. Je voulais parler de Mademoiselle Félicier pour que tout le pays soit fier. Je pense que c'est depuis les mounions sorti là. Pour que nous accompagnions. Et puis, il faut gagner des lois tout, qui votent sous recommandation de la commission sport. Donc, son gros chantier, le Parlement doit être au travail et la Chambre des députés sera au travail. Donc, le Parlement, à travers ses branches, ses deux branches, bien sûr, que ce soit au Sénat ou au niveau de la Chambre des députés, nous baillons contribution par nous. Mais ça, c'est une contribution symbolique. Il y a une autre contribution que nous avons, tant que Chita, avec. Et Premier ministre, Président de la République, là, parce que c'est eux-mêmes pratiquement qui ont implémenté les politiques publiques pour qu'ils accompagnent le sport en général. Donc, c'est vrai, je disais, on a parlé de Mme Sao qui qualifiait, mais question problème sport en général, c'est-à-dire football féminin, il faut qu'il y ait plus d'accompagnement, il faut qu'il y ait un terrain pour les petits mounis jouer. Football garçon, en tout, d'où la nécessité d'une politique publique sportive. Dans différents budgets qui ont voté autour, donc ce n'est pas seulement nous là, on a recevoir mon etc. Mais au niveau budget qui est pour soumettre là, nous avons un budget rectificatif sous peu. Et dans le budget 18-19 là, tout, pour nous garder qui accompagnement de la sport, pour que nous vraiment gagnons sport qui marche en Haïti. Présidente en commission femme à droit femme à équité Jean dans la Chambre députée. Gladys Saint-Jean lundi exprimé satisfaction après déroulement cérémonie cela. Député a encouragé mesdames yo pour continuer bataille pour quota 30% femmes là capable respecter dans tout niveau. Toujours dans micro Fedner confident avec Maurice Joseph Fulbridge. Commission conditions féminines et équité de genre dans le parlement que moi gain honneur pour moi présider et te souhaité et de fait organiser commémoration journée 1 et avec participation non seulement bureau chambre députée mais aussi
et sélection U20 que nous avons décidé dans la Chambre des députés pour que nous inviter venir et nous avons décerné des plaques d'honneur à eux. Parce que pas oublier que gentil mesdames ça c'est de monde qui prend Haïti qui réinscrit dans l'histoire football là donc c'est moi façon pas nous nous ouais pour nous honorer yo et gagnons ensemble femmes aussi qui t'ai participé dans limite pa yo pour permettre que jodi en là Nations Unies t'es capable accepter décréter 8 mars journée et internationale des femmes donc pour que nous t'ai honoré yo. Donc nous connaît que Goumen a fait pour respect quota, Goumen a fait pour égalité entre femmes et garçons, l'arrivée établie dans le pays d'Haïti. C'est pour un Goumen qui facile, c'est pour un Goumen que nous avons un résultat aujourd'hui demain. Mais nous espérons et nous avons Goumen même et au niveau commission conditions féminines pour que nous arrivions, même si ce n'est pas moi-même qui arrive à joindre égalité parfaite ça mais pour génération qui va venir pour petite nous yo capable vivre un moment côté que Haïti ni femme ni garçon yo sous même pied d'égalité et si nous voulons sortir Haïti dans situation difficile que li a moi pourrais pas gagner l'autre choix arrêter à c'est aller vers et le respect des droits des femmes parce que chaque fois dans la société que droit femme garanti et ben droit garçon garanti tout et ben le ça ou vient mon société qui est à marcher une société qui a bougé une société qui peut aller vers le développement et du millénaire tant que c'est ça nous souhaiter et tout temps. Une joueuse sélection féminine football moins 120 ans, Melissa Dacius, qui te prend la parole dans le nom de l'autre mesdames, souhaite joindre accompagnement parlement haïtien pour sélection si la capable d'arriver plus loin. Une extrême amie Fedner Kofida avec Danius Théodore. Nous vraiment contents pour nous devant Chambasta et nous compter sur pouvoir nous pour nous faire un pile loi pour faire bagaille marcher plus bien pour nous. Pour permettre de nous parler des figurants seulement dans la Coupe du Monde qu'a fait la France. Nous avons une pile volonté et ça passe suffisamment. Nous n'avons pas besoin de parler de détails sur besoin de parole parler, parole comprendre. Et moi, je pense pour ça que visite ça pas seulement côté bel drapeau, mais la paix d'un pile athlète, un pile équipe Haïti pour des drapeaux pays au bureau chaque jour. Nous sommes vraiment fiers et nous sommes vraiment contents pour nous avec nous jeudi. Et nous promettons que nous continuons à faire sacrifice dans l'entraînement et chaque jour. Nous croyons dans l'institution pays. C'est pour ça que nous avons confiance nous, dans nous, tant que grand frère nous, grand soeur nous, papa nous et maman nous. Pour nous capables de défendre cause nous et mettre ensemble tout le monde qui aime espoir dans le pays pour capable aider nous à être champion dans le mondial. N'a souhaité succès à sélection féminine football moins 120 ans qui gagne pour y aller représenter le pays d'Haïti dans le mois d'août qui avait la nappe la France dans le cadre de la Coupe du monde de football, mesdames qui gagne moins 120 ans. Yo. Directeur général de la télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, chita parlé hier mercredi 7 mars là avec différents opérateurs qui avaient un service TNH par câble. Réunion ça permet à Gamal Jules Augustin et opérateur Sayo discuter sur qualité image qu'a projeté sur écran téléspectateur yo qui t'a manqué qualité. Une rencontre qui déroule dans ambiance amicale côté opérateur yo promettant pour porter correction d'après ça directeur TNH la fait connaître. Représentant Konatel et directeur technique de télévision nationale d'Haïti Anthony Augustin te participé dans la rencontre Silla. Yon extrait dans micro Esaïe Aurelius à Clowor dans les Jean-Jacques. Nous avons une réunion avec vous pour nous parler de qualité d'image de l'image nationale que vous-même avez transporté. Assez souvent, l'on a regardé nos TV ou que l'image a un petit problème ou bien son va marcher avec l'image, vous pensez que c'est TNH pour vous. Le plus souvent, ce n'est pas TNH pour vous. Le plus souvent, c'est le monde qui a transporté l'image. Peut-être qu'ils vont mauvaise qualité de production.
Ok, qui fait que l'image a une grande différence entre l'image avec son. Mais je dis à nous même qu'on a brûlé sur le problème. Je dis à nous réunir avec tout opérateur ça, pour nous discuter de qualité image télévision nationale, qualité image qui a tombé dans la caillou. Et c'est une belle réunion de travail pour que nous venons pile solution. Dans les jours à venir, nous allons parler de l'amélioration qui fait en Télé Haïti, qui est nationale en Télé Haïti. Dans les jours à venir, nous allons regarder la qualité télévision nationale à changer dans New TV. Qualité à tout pour changer dans le canal. Alors, je dis à tout opérateur ça, merci. Merci le fait que vous avez pris matinée ça, vous avez fait avec nous pour nous analyser le problème là. Vous avez gagné un Konatel qui a accompagné nous. Parce que Konatel c'est lui-même qui gérait ça au pays, qui gérait le système de télévision et le système de télécommunication. Et bien, Konatel était là lui-même pour mettre les principes, pour respecter ça qu'on fait là. Encore une fois, c'est la loi haïtienne du deal, Télé Haïti et Télé National, je m'excuse, il est gratis sous boîte. C'est-à-dire toute boîte ça, tout opérateur dans le pays d'Haïti, supposé avoir comme devoir de transporter des RH. Mais même l'un de gratis, il faut transporter bien, il faut transporter la qualité. Nous parlons de couverture nationale, parce que avant tout, les gens qui sont MAC qui gagnent TV, par exemple, New TV, c'est MAC, Télé Haïti au Cap, et New TV au CAI. Sont les gens qui sont au CAI à travers New TV. Des chances pour gagner la télévision nationale d'Haïti. So, ça fait partie de la couverture nationale là tout. Mais ça, c'est la couverture nationale dans tout business. Parce que pour gagner une TV, il faut payer. Pour gagner canal, ça, il faut payer. Nous-mêmes, nous avons une couverture nationale qui est gratis, chérie tout. Qui c'est l'État haïtien. Mais nous-mêmes, nous avons des malades de qualité. Hein. C'est qualité à vivre. Depuis qualité à améliorer, nous avons une télévision nationale claire, d'accord. Et je me dis, peuple haïtien, qualité a changé, c'est job nous, c'est travail nous pour lutter, pour nous faire télévision pays nous et sur nous avec plus bon qu'être. Ministère Affaires étrangères a quelqu'un lancé hier mercredi 7 mars là, 15 ans en francophonie en présence de quelques ambassadeurs pays qui parlent langue française. Divers thèmes qui ont rapport avec intérêt pays francophonie pendant 15 ans en francophonie a gagné pour les capables de débattre d'après ministre haïtien affaires étrangères à Kitla, Antonio Rodrigo. Anne-Marguerite Auguste Akevipier a présenté un reportage. Langue française, trait d'union pour agir, c'est sous thème ça, 15 ans francophonie a célébré en Haïti, Anissa, sorti 7 pour arriver 20 mars 2018 là. Ministre culture et communication Limon Toussaint mette accent sur l'importance de la langue française dans la formation intellectuelle jeune haïtien. La contribuer dans le développement intellectuel jeunesse haïtienne qui a formé chaque jour plus pour offrir plus à la population haïtienne et à tout le reste du monde. Parce que nous ne sommes pas capables de faire un pays si nous pas formé génération jeunesse qui a venu au niveau intellectuel pour être capable d'exprimer pour pas gagner limite. D'abord, nous pas devoir limiter jeunesse haïtienne. Tout ça de positif yo ka apprendre, c'est pour nous offrir li et pays et administration Moïse Lafontaine li déterminé pour li porter support ba jeunesse haïtienne dans tout niveau. Et il y a un niveau qui est essentiel là, nous tout nous connaissons, c'est éducation qui c'est base là qui permet jeunes li vin autonome et nous voulons travailler pour jeunes li capable jeune autonomie et pour ça faut li passer par éducation. 15e francophonie à occasion pour autorité haïtienne yo aborder une série sujets qui gien à intérêt pays à tant coup question changement climatique là affaires droit monde d'après ministre affaires étrangères à Kula Antonio Rodrigue. Francophonie aujourd'hui c'est pas seulement question de langue et parler français c'est pas ça. Lié à aborder l'œuvre et agence de la francophonie, t'es venu transformer en organisation internationale de la francophonie, en organisation internationale. Lié venu pour l'autre dimension, côté toute question qui concernait le monde, toute question qui traversait le monde et l'international, on retrouve là-dedans. On a le problème des droits de l'homme, le problème. Et actuellement, le problème des changements climatiques, le problème de développement et migration, tout ça débat au niveau de francophonie aujourd'hui. Ambassadeur suisse là en Haïti, Jean-Luc Michaud, souhaitait autorité haïtienne, jeunes universitaires, manifester plus intérêt pour langue française, les considérer comme un point positif qui existait dans la culture haïtienne. Je crois que de nouveau, Haïti a beaucoup d'atouts, beaucoup de leviers. Je veux dire, sur le plan littéraire, de la production littéraire,
Vous êtes un pays phare et qui nourrit la langue française. Que ce soit au niveau de la poésie, je pense qu'Haïti, à l'heure actuelle, elle est vraiment au niveau mondial le phare de la poésie francophone. Et donc ça marque énormément, ça donne une visibilité extraordinaire et positive de votre pays. Exposition livre, danse, diffusion film pays francophone, course bicyclette, performance artiste national ou international, c'est quelques activités qui ont marqué célébration quinzaine francophonie. Nous prenons le dossier sécurité, direction générale de la police nationale d'Haïti, présenté hier mercredi 7 mars, la cas arrestation qui fait pendant la période de sortie 21 février pour arriver 5 mars. Dans le cadre de l'état contre la criminalité dans quelques départements géographiques pays d'Haïti, porte-parole PNH la renouvelé détermination institution policière pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans la criminalité en dans pays. Yon l'autre bois, direction générale la police nationale d'Haïti, ba yon délai 15 jours, ba tout policier qui démissionne, qui pas actif, à tout cela qui abandonne poste pour capable remettre à la police qui n'a main yo. D'après porte-parole PNH la France Lebourg, d'après date ça, DG PNH la a publié non yo et puis prend l'autre mesure contre ça yo. En nous souvient extrait dans déclaration de Miko Dalena Dorivala avec Michel Joseph. Dans la journée qui était 3 mars 2018, là, et je ne vais pas dire que toute la presse était au courant, mais c'est sur le plus haut niveau de l'État, et même certains membres de la population étaient au courant qu'il y a gagné un diplomate américain qui a circulé dans la zone Colette-Pétionville, qui était agressé par un ensemble d'individus. Donc, sur le champ, une fois qu'on était informé, contact est fait, moi-même, DDO, sécurité publique, commissariat Pétionville, que nous devons remercier pour l'effort qu'ils ont fait, et bien nous arrivons à appréhender 14 personnes. Et c'est des nègres qui ont gagné des armes blanches dans les mains, qui ont gagné des caoutchoucs dans les mains. Maintenant, qui ça a dit? Il a dit qu'il a fait des revendications pour route. Maintenant, ça a besoin qu'on ait. Ou capable de gagner une revendication qui est juste, mais la forme qu'on fait là vient transformer dans ça capable un acte de violence et qu'on relève la violence criminelle. Donc c'est une façon pour nous-mêmes pour nous dire rapidement, quel que soit diplomate qui est présent sur le territoire, même si nous avons une responsabilité pour nous sécuriser, protéger les citoyens, eh bien, étrangers qui sont dans le pays à tout, il faut que vous gagniez protection. Et une fois que vous attaquez des citoyens paisibles, vous attaquez des diplomates qui sont dans le pays, vous avez gagné pour payer parce que vous pourrez juger devant la justice. Nous avons un commissaire, par exemple, de police, commissaire principal de police, qui est commissaire Chatner. Un commissaire principal qui a privé côté que monsieur a fait mouvement, monsieur pas peu malgré l'identifier, il arrive à agresser. Or, l'arrivé dans le niveau pour agresser des autorités, donc laisse ça ou presque arriver dans situation côté que quand même qualifié de acte terroriste parce qu'on pas gain droit attaquer des autorités non pays qui placé pour bon ou même sécurité. Nous gagnons tout. Yon arrestation que nous fait qui paraît tout vraiment des faits étonnants. Yon individu, je relé Estilin Eddy, c'est un cap opéré qui a fait vol à main armée. Dans Port-au-Prince, et monsieur qui s'en fait, mes amis, nous jouons sous lui. Comment monsieur opéré? Monsieur habite juste Williamson. Il vient opérer Port-au-Prince pendant la journée, et puis le soir, monsieur a dormi Williamson. Nous gagnons dans le menu là, un ensemble de monde que nous arrêtons, c'est monsieur Sayo, nous prenons pour vol de nuit et vol avec effraction. Son ensemble de nèg qui a misé yo surtout dans zone Thomasin Keskov, c'est aller identifier la caïmoun, identifier pendant la journée et puis le soir venir maîtriser gardien et puis entrer par effraction craser porte et puis pour voler à l'intérieur des caïmoun.
Intervention, commissaire gouvernement, votre président, maître Okna Makla, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre d'un bilan sous affaires sécurité dans le pays. Direction départementale à l'Ouest, DDO, police nationale d'Haïti, organisé mercredi 7 mars la dernière réunion mensuelle, commandement fait li avec participation plusieurs commissaires, chefs service et représentants Minu Juste. Dans l'occasion, DDO Axi pour Minu Juste prend décision mettre sous pied un plan formation pour renforcer capacité aken dans commissariat yo pendant yo pral renforcer logistique dans sens ça. D'après directeur départemental Ouest PNH là, Berson Soljou, un extrait dans micro TNH. De concert avec homologue nous de la Minijuste, d'un plan de formation qui a pas exécuté très bientôt de formation que nous allons bail pour capable renforcer capacité d'accueil dans le commissariat et puis amélioration de la logistique pour que nous capable de recevoir population qui nous-mêmes approche là son approche comme nous utilisons dans le secteur privé. Nous connaissons population dans comme client, c'est l'île là pour nous servir. Donc pour nous capable vraiment d'avoir un service d'accueil digne de ce nom, pour nous capable accueillir les populations très bien. Donc c'est dans ensemble de responsabilités, de mesures qui ont été prises. Donc c'était l'occasion pour nous être capable de faire le tour et pour nous être capable de comprendre avancer, qui difficultés qui gagnent, et pour nous être capable de porter amélioration. Et réunion ça tout le visé après réunion de commandement que directeur général là a été fait avec tout le directeur départemental pour nous capable vraiment transmettre toute décision que le commandement prend. Et une des choses qui était important pour nous, c'est le déploiement des nouveaux policiers de la 21e promotion qui dans l'Ouest et puis capable de mettre des policiers référents et pour capable encadrer des encadreurs, encadrer jeunes policiers qui sortent et nous passer d'instructions pour que les policiers soient capables d'une possibilité pour, avant de spécialiser dans des services spécifiquement qui affectés, puis permettre aux capables de faire rodage là dans tout service, dans l'accueil, dans le rapport et plainte, dans l'investigation, dans le service de communication et puis dans la patrouille pour que soient capables vraiment de comprendre le métier et maîtriser le. Et deuxièmement, tout nous garder sous aspect, nous avons une opération qui est lancée depuis quelques temps, c'est caravane de prévention et de sécurité qui commence à donner des résultats. Et côté ensemble de unités spécialisées qui sont sous commandement en direction départementale, là, Udmo Boyd, et à chaque fois, aller en renfort dans la commune, côté qui a un problème, côté identifié en fonction de statistiques pour nous capables vraiment augmenter la visibilité de la police là, augmenter le taux d'occupation de la voie publique pour permettre que nous capables vraiment servir la population. C'est là, nous faisons un chapitre local, là, nous prêts à aller à l'étranger, puis prêts à aller dans le pays États-Unis. Surtout dans ça, qui vient pour eux, à décision président américain Donald Trump prend, pour les capables de mettre gros assez à l'aluminium, cap entrer dans le pays États-Unis. Et bien, d'après ça, administration Trump fait comprendre, Canada et Mexique, capable de pas tomber en bas, mais ici, là. N'a pas rappelé décision ça estomaqué Union européenne qui menaçait sous-bord par les mettre gros taxes tout sous produits américains en cap entrer dans pays membre UE. Une situation qui est capable provoquer la guerre commerciale. Annoncé. Le président américain Donald Trump annonçait son intention d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium. Alors que la Maison-Blanche s'était positionnée pour une application sans exception de ces mesures, deux pays pourraient être exemptés de ces taxes pendant 30 jours. Il y a des exceptions possibles pour le Mexique et le Canada pour des raisons de sécurité nationale et il y en aura potentiellement pour d'autres pays. Les autres partenaires commerciaux des États-Unis comme la Chine ont vivement réagi. Choisir la guerre commerciale n'est pas la bonne décision. Et cela nuira inévitablement aux uns et aux autres. La Chine aura la réponse nécessaire et adéquate. L'Union européenne annonce des représailles, des taxes sur des produits américains emblématiques. Au jean Levi's, au Bourbon et au Harley Davidson pourraient s'ajouter le beurre de cacahuète, les érelles et le jus d'orange dans la liste des produits visés.
Je peux seulement préciser qu'une chose semblable s'est produite en 2002, comme certains d'entre vous se souviendront peut-être. Ce n'était pas une bonne chose. Cela a coûté des milliers et des milliers d'emplois américains. J'espère donc que quelqu'un à la Maison Blanche a lu le livre d'histoire. Le sujet sera au programme du prochain sommet européen. Les Européens exportent près de 5 milliards d'euros d'acier et 1 milliard d'euros d'aluminium chaque année vers les États-Unis. Dans l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous pourrons aller rapidement dans le pays Arabie Saoudite. Côté mesdames, vous n'avez pas de droit pour être capable de chita des volants pour être capable de produire des machines. Il y a une loi qui est votée dans ce sens qui a entré dans l'application à partir du mois de juin. En attendant la loi, ça a rentré en application. Mesdames, vous commencez à aller dans l'école conduite pour être capable d'apprendre à produire des machines. Euronews pour plus de détails. Ces femmes saoudiennes s'apprêtent à vivre une expérience qui va changer leur vie, se mettre au volant d'une voiture. En prévision de la légalisation de la conduite pour les femmes qui devraient intervenir au mois de juin, certaines ont décidé de prendre des leçons d'auto-école, des cours qui donnent seulement les bases et sur route fermée. Mais pour ces jeunes femmes, c'est déjà un progrès spectaculaire. C'est une étape vers l'autonomie qui permettra de rendre les femmes plus fortes. C'est une annonce très importante, tout le monde en avait besoin, c'est le bon moment pour le faire. Jusqu'à aujourd'hui, il était impossible de se déplacer seul pour une Saoudienne. Un chauffeur masculin devait l'accompagner partout. Je me suis sentie mal à l'aise, je ne m'étais jamais assise de ce côté de la voiture. Je m'assois toujours à l'arrière ou à droite. Mais ça fait du bien, on se sent en contrôle. Ce petit frisson de liberté a été offert par une grande marque américaine d'automobiles, une sorte d'expérimentation en attendant que ces cours se développent. Plusieurs millions de femmes saoudiennes devraient apprendre à conduire dans les années à venir. Américain Jeff Bezos, une personnalité qui pire sous la terre, les prend devant Bill Gates. Bien à l'argent, il s'est évalué à environ 112 milliards de dollars américains. On nous suit. Voici l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est en première position du classement des milliardaires du magazine Forbes. Avec une fortune estimée à 112 milliards de dollars, il ravit la tête aux créateurs de Microsoft, Bill Gates et ses quelques 90 milliards. Juste derrière, un autre Américain, l'investisseur Warren Buffett, complète le podium. Le Français Bernard Arnault bondit de la 11e à la 4e plus grande fortune mondiale, grâce notamment au renforcement de l'euro. Son patrimoine a gagné plus de 3 millions d'euros par heure. Le classement a aussi ses limites. Forbes ne prend en compte que la valeur des actifs connus. Or, les milliardaires accumulent souvent leurs biens et investissements dans des juridictions offshore et opaques. Et c'est sous dernière information, ça n'a mettez en bout dans le journal là, permet avant que nous allions rappeler au grand point qui dominait l'actualité. Dans l'idée pour capable renforcer la production d'Iri dans la vallée là, Tibonite là, coordonnateur caravane changement, ancien ministre Thomas Jacques, qui était gagné avec le directeur général du ministère agriculture, ressources naturelles là, et développement rural là, Branly Eugène, lancé mardi 6 mars passé à Combitan, dans la localité Kova, qui est la deuxième section communale Verette, département la Tibonite. Programme ça rentre dans le cadre caravane changement. Bureau chambre député a honoré plusieurs femmes à sélection féminine moins 120 années en occasion journée internationale droit mesdames yo. Chambre député en promettant 1,5 million gouda pour sélection avec téléphone intelligent pour chaque joueuse yo. Direction générale de la police nationale d'Haïti a un délai 15 jours pour tout policier qui démissionne qui pas actif à tout cela qui abandonne poste pour remettre les armes à la police qui n'a pas. D'après porte-parole PNH France Lebeau, après d'être sa direction générale la PNH là a publié non mounsayo et puis prend l'autre mesure disciplinaire contre eux. Canada et Mexique capable pas tomber en bas mesi Donald Trump prend pour mettre gros taxes sur acier et aluminium cap rentrer dans pays États-Unis. C'est ça administration Trump l'a fait comprendre hier mercredi. Nous te contents ensemble avec vous pour être capable d'informer vous. Il était seulement pour capable souhaiter vous passer un très bon jeudi sur la télévision nationale d'Haïti. À demain matin.